Bon matin. On va attendre que ça se branche. Je ne sais pas si je vais être seule ou que je vais avoir des amis. J'ai un petit peu plus tard que d'habitude. On va attendre tranquillement. Hein? Boire mon café. Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a des gens là quand même. Salut, salut. On me dit bonjour. Ah, ça s'en vient. Ah, ben, vous êtes là. C'est donc ben le fun. Hein, habituellement, je suis toujours plus tôt. Je vais vous faire une petite tranche de vie un matin. Dites-moi bonjour, d'où vous venez. Puis là, je vous raconte ça. Tiens, ça y va. Bon, on me dit des coucou, Claudine. Salut, Claudine. Bon matin, Claudine. Bon matin. Ça s'en vient, D'ailleurs, ça s'en va. Coucou, Patty. Coucou. C'est beau, tout le monde. Ben, c'est ça. Tranche de vie à matin. Hey, avant, regardez ça. Comment c'est sharp. Hein? Fait que je suis bonne. Je suis belle, je suis bonne. Je suis fine, je suis capable. Avec mon nom. Ça va être sur le site Internet à partir de cet après-midi. Je suis pas mal excitée de ça. Fait qu'il y a plein de beaux messages là, de motivation, exercice, dormi, la nuit, énergie, but, cardio, activité, entraînement, motivation. Hey Moncton! Moncton, vie active, succès, bouger, il y a répétition, il y a plein de beaux mots sur ce bel. C'est beau mug à café. C'est un café. Tu peux prendre un café là-dedans. Ça garde au chaud. Puis c'est au froid aussi. Fait que là, au gym, j'apporte ça avec mon eau. Ensuite, regardez ça. Alors, j'étais comme une petite fille quand ça a rentré. J'adore. Ben, ah, Stéphane aussi. C'est vrai. Je l'ai fait faire une à Stéphane. Stéphane, là, c'est je suis beau, je suis bon, je fais, je suis capable. Puis la couleur est comme dans le bleu-vert. C'est un dégradé. Là, tu vois, il y a du bleu-vert ici. Dans le dégradé. Il y a même mieux bleu. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne tentait pas le rose. Mais on a le choix. On peut la personnaliser avec notre nom. Tu sais, parce que quand tout le monde a sa même bouteille, là, tu dis, ben, hey, parce que ma bouteille, je ne sais pas ma bouteille, c'est à moi. Fait que, puis en plus, ça vient qu'une paille. Fait qu'on est capable de boire avec une paille. Fait, j'aime vraiment ça. Fait que c'est quelqu'un de ma région qui fait ça, un artiste. Puis là, ben, je peux la laver, on peut la laver au lave-vaisselle, ça plume pas. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que, c'est ça, ma bouteille. Là, tranche de vie à matin. Ah, ben merci. Merci, Nathalie. Ça me dirait, tu sais, c'est. Je sais pas. C'est parti avec énergie fit, ça. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Ben, dès les débuts que j'ai ouvert énergie fit, fait que c'est ça, tu veux faire une petite tranche de vie là, d'énergie fit à matin. J'ai beaucoup de questions de où c'est parti, tout ça. Fait que je vous compte une partie de ma vie. C'est, j'étais directrice pour le nord de la province, pour la Société canadienne du cancer. Un gros travail, beaucoup de travail, beaucoup de traveling. Là. J'étais beaucoup sur la route, j'avais un bureau à la maison, un bureau dans mon auto. Un bureau au bureau, ça se trouvait à Bathurst, il y avait des employés, grosse charge, là, puis, tu sais, il y avait aussi l'aspect financier, puis aussi l'aspect émotionnel, tu sais, c'est de rencontrer ces gens-là qui venaient au bureau chercher des perruques, hein, la société donne des perruques gratuitement, des foulards, plein de choses qui donnent pour aider, plus, surtout la recherche, c'est la recherche. Il y a aussi un programme qui est... Connect, je pense que ça s'appelle encore comme ça. Si t'as un cancer, puis tu veux parler à des gens, parce que souvent la famille, hein, très émotionnelle, c'est pas facile, puis tu veux parler à quelqu'un qui a eu le même cancer que toi, bien, la société va te mettre en lien avec quelqu'un au Canada qui parle ta langue, soit français ou anglais, qui ont eu le même cancer, puis d'être capable de discuter de ça. Fait que, puis j'ai plein de gens que j'ai rencontrés qui ont utilisé le programme, puis que ça les a beaucoup aidés, rassurés. Puis il y en a un qui me disait, ben tu sais, moi j'ai un cancer, colorectal, de l'ampoule rectale. Puis tu sais, il connaissait pas personne qui avait eu le même cancer. Il y avait des choix à faire de chirurgie. Fait que finalement, ça l'a beaucoup aidé. Ben tout ça pour vous dire, je travaillais là.
Puis, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Là, l'instant-là, les relais pour la vie, pendant le mois de juin, je dormais pas. C'est comme toutes les fêtes de semaine, je dormais pas. Je partais le vendredi matin, puis je revenais le dimanche soir, tu sais, parce que c'était toute la nuit, puis avant de ramasser l'équipement, tout ça, le bénévole. En tout cas, c'était... Mais c'est un travail que j'ai adoré, adoré. J'ai beaucoup, beaucoup appris côté humain. Tu sais, je suis quelqu'un qui est curieuse, je veux savoir comment ça se passe, tout ça. Puis les gens venaient me raconter leurs histoires. C'était beaucoup de bénévoles, j'étais entourée de bénévoles. Fait que je faisais ça. Puis pour moi, ben il fallait que je m'entraîne. C'était impossible de passer à travers ça sans au moins m'entraîner 3 fois par semaine. Parce que c'est ça. C'était émotionnel, c'était physique. Puis là, c'était un temps pour moi. C'était 45 minutes-là, une heure que je m'entraînais. Puis toujours 3 fois par semaine, 4e fois, c'était un bonus. Mais quand dans le temps des relais, je mettais une pause sur l'entraînement, j'allais marcher parce que mon corps, tu sais, ça dépend de la vie, pas toujours pareil, là, mais ça. Fait qu'il faut voir, respecter notre corps. Fait que j'allais m'entraîner, mais finalement, j'étais jamais là 45 minutes, 1 heure, parce que j'aidais des femmes. J'étais dans un gym traditionnel, puis là, j'aidais des femmes, mais je m'entraînais pas traditionnellement. Parce que les machines, faire de machine en machine, c'est pas ça pour moi qui était efficace à 100%, puis que je pouvais juste être là 45 minutes, 1 heure, puis que je m'avais entraînée au complet. Fait que les gens me regardaient, me disaient, pourquoi elle s'entraîne de même? Ah, ben de la forme, que c'est ça? Puis, en plus, j'ai une entreprise de spray tan. Je fais du spray tan, je coach des gens à faire du spray tan, avoir une entreprise à succès, je leur explique comment faire tout ça, je donne des formations de 2 jours, puis je leur explique quoi faire, comment faire tout ça, puis que ce soit pas comme, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans le spray tan. Il y a plein de films qui ont fait des blagues avec ça, des jokes, puis pas une allure au spray tan. Mais c'est ça, ça fait plus de 10 ans aussi que je fais ça. Mais comme vous voyez, je suis vraiment occupée à cette période-là de ma vie. Puis là, ma fille vient au gym avec moi, puis on est là comme 2h30. Fait qu'elle revient de nouveau, puis là, elle dit ça, pas de bon sens, maman. Ben, je dis, Noémie, je peux pas laisser ces femmes-là comme ça. Tranquillement, ils ont venu me poser des questions, puis je suis très comme, oh mon Dieu, elle devrait pas faire ça, elle va se blesser. Pis souvent, tu sais, dans certaines salles, il y a des gens qui sont certifiés, mais quand il y a beaucoup de monde dans ce genre de salle-là, il faut que tu te prennes un entraîneur privé, il vient avec toi. Sinon, t'es par toi-même. T'sais, c'est toi qui fais tes affaires. En général, c'est le même. Fait que je les aidais. Puis là, ben, Dani, je devrais te faire ça de même. Puis là, ben, j'aime le monde, j'aime jaser, puis j'aime apprendre sur elle. Puis il y avait plein de femmes de toutes sortes d'âges. Fait que je me retrouvais à être là 2h30 à 3h30. De temps, mais le but, c'était que je sois là juste 45 minutes à 1 heure. Parce que, si tu fais tes poids et haltères, là, tu as ton warm-up. Tu commences par ton warm-up, ton échauffement, au moins 5 à 10 minutes. En fait, tu vas sur le tapis roulant. Après ça, tu fais ton entraînement, un poids. Là, tu arrêtes tant de temps, un autre poids. Tu fais un tas de temps. Puis là, tu continues. Puis là, le soir, ben là, faut que tu continues. Là, après que tu as fini ça, ben là, ça prend du cardio. Ouais, j'ai pas fait mon cardio. Puis là, en plus, le blablabla, tu sais, qu'on peut faire, on jase, puis c'est du social. Finalement, tu passes ton avant-midi là. Bon, on parle pas du temps d'embarquer dans mon char, puis conduire là. Moi, je m'organisais d'être sur ma route. Fait de fil en aiguille, ma fille voulait plus venir s'entraîner avec moi parce que j'étais là trop longtemps. Puis elle avait raison. Puis elle me dit, maman, c'est pas ça que tu dois faire. Je comprends pas. Puis là, elle me donne en bonne acadienne un chieur de mort. Puis... Fait je l'écoute, je conduis. Je dis, well, comment tu penses que je vais prendre le temps? Ben oui, j'ai le goût que ces femmes-là s'entraînent autrement. Puis voyons, un gym de femmes, tu sais, ce temps-là, c'était un village, un petit village. Là, maintenant, on a une grande ville qui s'appelle Belle-Baie. Petit village, c'est non viable. Ben, elle dit, au moins, tu pourras t'entraîner, puis tu aideras des femmes, puis, tu sais, on sait pas, qu'est-ce que ça peut faire? Mais j'avais le goût d'aider les femmes. T'sais, c'est ça qui est ma motivation, moi, d'aider les autres. Puis que, pas de faire des affaires, pas d'allure. C'est, je veux les motiver. Elle, là, elle est très convaincante. Ma fille aurait pu être un avocat. Là,
à blabla. Fait que là, je me dis, allez, je donne un coup de roue au village. Je m'en vais directement au village. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais au village. Je m'en vais parler au directeur. Moi, je t'offre tant. J'ai vu que tu avais une salle là. C'est ça qu'on t'offre. Puis, ça va prendre à laisser. Non, non, on te laisse ça. Ah, ouais, OK. Deux semaines après, c'était honte, mon affaire. J'avais un gym, puis toute la patente. Mais là, c'était de la gestion, là, tu sais, mon travail, tout ça, mais c'était à mon horaire, mes choses. Fait que ça a aidé beaucoup de femmes. Ça aide encore beaucoup de femmes. C'était ça, l'histoire d'Énergie Fit, où c'est parti, mais c'était zéro viable, là, comme je vous parle monétairement, là. C'était pour redonner aux autres, c'était vraiment donner au suivant. Je voulais vraiment que les femmes s'entraînent d'une façon différente. Puis, je pense que ça va faire, ça fait 8 ans, je pense, que je suis ouverte. Puis, que ce mindset-là soit différent. Je voyais des femmes comme avec une obsession, là, tu sais, puis toute la vie tournait alentour de ça, du corps, de l'alimentation. Puis, plus on vieillit, tu sais, moi, j'ai 54 ans, puis là, à ce temps-là, ça fait 8 ans, tu sais, fait que plus on vieillit, le corps change, puis il y a une façon de faire que le corps est capable de laisser aller du poids, de laisser aller des kilos, une façon de s'entraîner différente, mais très efficace. Très, très efficace, je le vois tous les jours, les résultats sont là tout le temps. On crée de la masse, notre tissu devient taille. Le punch du bingo, là, il y en a qui m'avaient dit le punch du bingo, j'avais jamais entendu celle-là. Ou le wave bye-bye, quand tu fais bye-bye, ça jiggle un petit peu. Ça se renforcit, ça se remplit, mais tranquillement, puis ça se fait. La santé mentale va mieux, on dort mieux. C'était ça, j'avais le goût pour les femmes. C'est là que c'est parti, Énergie Fit. Puis par la bande, mais là, Énergie Fit, gym pour femmes, 100% pour femmes, petit bonhomme qui rit, ben, géré par des femmes, fait que là, il a fallu, là, on a pris des entraîneurs qui sont venus m'aider, entre autres, Françoise était une des premières, après ça, Daniel, s'est embarqué avec nous autres, là, il y a d'autres coachs qui se sont embarqués, qu'on puisse offrir d'autres choses. Puis même, je vais vous dire, c'était très à la bonne franquette. Puis je me fie encore à tout le monde. Je me fie aux gens. Si les gens veulent être croches, bien, ils seront croches tout seuls. Mais moi, je veux que mon corps soit... Je ne suis pas la police du « Hey, t'as-tu payé ton punch, as-tu fait ça? » Mais ce temps-là, là, j'avais une feuille. Là. Au début, c'était une petite feuille avec des noms. Chacun cochait quand il avait payé son membership. Mais là, la feuille s'agrandit. Finalement, on avait des mètres de feuilles avec des noms. Hey, c'était ridicule, mon affaire. Mais finalement, il a fallu après ça, la building où j'étais dans le village, ils ont dû détruire ça. Puis là, mais après ça, bien, ça a été l'aventure de bâtir... une grosse building. Je suis en affaire avec mon père et mon frère là-dedans. On a bâti une grosse building. Dans ça, on a réalisé qu'il manquait de place en garderie dans notre région. On a dit, hey, on va trouver quelqu'un qui a le goût d'avoir une grosse garderie. Fait, la garderie des petits amours a embarqué là. Fait qu'eux sont là, puis moi, je suis d'un autre endroit dans le building. Fait que ça a aidé notre communauté. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que c'était des femmes pour les femmes. Mais il y a des gars qui voulaient être avec nous autres. Ils nous disaient, ben là, moi, Dani, j'aimerais vraiment que tu m'entraînes. Ma femme a tellement changé, bonne humeur, les symptômes de ménopause, de chaleur, de mauvaise humeur. Puis là, on riait, tu sais, parce que c'est ça, la ménopause, c'est un changement. C'est comme ça, on tombe quasiment en adolescence. Plein de choses qui se passent. Mais avec l'entraînement, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Fait que, tu sais, ma femme a beaucoup changé. Les poids aussi, son corps a changé. Moi, je veux venir ici. Ben, je suis désolée, c'est un coup de femme. Puis, je voyais pas où je prendrais le temps. Comment je vais prendre le temps? Hey, j'ai une entreprise de spray tan. On a un building que là-dedans, il y a des entrepreneurs. Il y a du ménage à faire. Nous autres, là, il n'y a pas personne qui lave la toilette. Là. C'est nous autres qui lave les toilettes. Moi, Stéphane, qui va faire le ménage, qui va passer à la balayeuse, tout ça, tu sais.
Fait que, j'allais me dire, mon Dieu, comment je vais faire ça? Puis là, Stéphane qui me dit, hey, Dan, il serait le fun. OK, on va monter un coup de gars. Ça me prend minimum 10 gars. J'ai pas 10 gars, trouvez des gars. Puis je vais vous entraîner. Finalement, on a eu une vingtaine de gars qui s'inscrivent. Mais là, après ça, avec le nouveau building, on a intégré les gars. Fait qu'il y a comme un 10 à 15% de messieurs qui s'entraînent avec nous autres. Puis là, on a le premier gars qui entraîne, entraîneur Coach Lee, qui s'est intégré avec nous autres. Lee, ça fait 3-4 ans qu'il s'entraîne, depuis que les, 3 ans, depuis que les gars sont là, il s'entraîne, puis il a vraiment vu la philosophie, comment ça l'a aidé pour lui. Il n'a jamais été aussi en shape que là. Il est vraiment en forme. Fait qu'il entraîne, puis je trouve ça fantastique. On est 10 coachs, puis il y a un gars. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis par la bande, après ça, mais je me suis dit, je suis bien trop occupée. J'ai laissé aller la Société canadienne du cancer à mi-temps. J'étais à mi-temps. Puis là, la COVID, perdu ma job. COVID, puis je pouvais, comme c'était tout à fait normal. Tu sais, je veux dire, la COVID a apporté plein de choses. Puis maintenant, je suis à plein temps là. Puis je motive des femmes. Puis ça fait des changements. Ça, c'est ma tranche de vie. Puis c'était pas là que j'étais supposée aller à matin, mais finalement, c'est là que je suis en été. Je voulais compter une autre tranche de vie, puis c'est là que je suis allée. Combien de temps je fais, je vous parle, là? Ah, c'est bon. Fait que, à matin, une autre tranche de vie, Stéphane, il me dit, Dani, faut-tu te peignes à matin? Je dis, ah non, je suis correct demain. Ah, peigne-toi, Dani. Hey, Stéphane est devenu mon gérant. Ah, petit peigne. OK, je vais aller me peigner. Ça va être quoi de sa tête? C'était bien correct. Mais tout ça pour vous dire que pourquoi je suis tard aussi, habituellement, je suis plus tôt le matin, c'est que le mercredi, lundi, mardi, il y a des classes à coacher. Puis le mercredi, j'ai pas rien le matin. Fait que je mets pas de réveil le matin. Je laisse mon corps dormir, puis je le laisse se lever quand il veut. Fait qu'un matin, il s'est levé à 8h30, là, du Nouveau-Brunswick, j'ai fait « Fouf! Hey, ça a dormi un matin! » Puis ça fait du bien de laisser son corps dormir. Qu'est-ce qu'il a le goût de dormir? Hein? Ça veut dire qu'il en avait besoin, puis après ça, ça va mieux. Puis on continue la journée, puis de laisser son corps dormir. La ménopause fait plein de changements dans notre corps. Pour moi, ça passe par l'entraînement. Merci. Hey, je pense pas que je vous avais jamais rencontré, raconté ça, là. Hein, je vais voir, essayer de voir mon petit message. Tu dois être fière de toi. Je suis très, très fière. Je suis vraiment, vraiment fière de moi. Tu parles de l'étude. Hey, c'est vrai. Ça, c'était... c'est vrai, Lucie. J'avais oublié ce côté-là. C'était tellement, je vais vous compter ça, c'était tellement un vieux gym, puis c'était le fun. Moi, c'est vrai qu'il y avait des vieilles tuiles planchées, là, c'était, je mettais du duct tape là-dedans, puis là, c'était cacher les trous, pour pas personne s'en farge, ou comme Lucie dit, briser les genoux. Mais ce que j'aimais, là, c'est que c'était tellement vieux que j'avais un gros marker. Ça, j'aimerais ramener ça, là, au gym, je sais pas comment, là. Pas Stéphane me laisserait faire, parce que c'est pas mal mon handyman, là, c'est lui qui répare les affaires. On avait un marker qui était sur une des fenêtres, puis j'avais un mur. Elle paraît comme la tasse, c'était exactement ça. Je disais aux filles, je veux que ce mur-là soit votre mur. Hey, ça me donne des idées. Ce mur-là était notre mur à nous autres. Il y a des journées, là, c'est pas facile de s'entraîner. Puis il y a toutes sortes de choses qu'on vit, hein? Chacune sa tranche de vie, qu'on partage ou qu'on partage pas. Puis je les invitais à écrire sur le mur. Gros maudit marker. Puis là, il y avait des mots. Il y en a que c'était des mots. Moi, je suis une fille de juste des mots. Mais il y en a qui sont des... Ah, je trouve assez, c'est un don, moi, que c'est donc ben un beau don d'être capable d'écrire des mots qui reflètent notre sentiment intérieur. Il y avait des belles phrases sur ce mur-là. Toutes sortes de... Hey, puis c'était rendu, ça commençait à par un mur. Puis tout le monde était, ben non, Dani, on ne peut pas écrire sur le mur. Je te donne la permission d'écrire avec un gros marker. Hey, puis, il était gros de même, le marker. On écrivait sur le mur. C'est notre mur. La bâtisse va être détruite.
puis on écrit là-dessus. Si j'aurais aimé qu'on puisse même tirer des affaires là-dessus. Ça va pas, tu l'écris. Ça va, tu l'écris. Tu as le goût de partager une pensée, tu peux arriver avant le gym. Moi, je vais être là à telle heure, puis t'écris. Il y avait plein de mots. Puis des fois, là, souvent même, je voyais des filles qui s'entraînaient devant ce mur-là. Puis ça les motivait. Tu sais, OK, je suis ici, pourquoi? Pour ma santé, je suis capable. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Moi, c'est ça que j'avais écrit là-dessus. Tu sais, ou un jour, je vais être capable. Ou, tu sais, de se choisir. C'est donc bien pas facile de passer en priorité. De dire, aujourd'hui, je me choisis. Je me choisis, mais comment je fais? Comment je fais pour me choisir? Tu sais, dépendant chacune de vous autres, chacune de nous autres, qu'est-ce qui est notre vécu? Dans quelle situation qu'on est dans notre vie maintenant? Tu sais, une situation abusive. Moi, j'ai jamais vu ça, mais il y a des femmes qui me racontent des récits. Hey, c'est quelque chose. Ou notre santé mentale, tu sais, il y a plein de préjugés encore. C'est beaucoup mieux. Mais on a une amie qui est au gym, puis là, je la salue, elle me dit que je pouvais parler d'elle. Elle est bipolaire, puis elle a fait une, je pense que c'est une psychose dans sa vie, c'est sa troisième. La dernière était en 2007 ou 2008. Là, elle est à l'hôpital, choc électrique, tout ça. Mais je ne le savais pas parce qu'elle était médicamentée, puis ça allait bien, puis tout ça. Mais c'est pas facile tout de suite pour elle. Très pas facile. C'est une situation dans la vie qui est là. Mais à un moment donné, ça va être correct. Mais ce mur-là nous donnait de la motivation, nous donnait de l'espoir, nous disait « Hey, il y a plein de femmes qui ont écrit ça. » Ça, c'était une partie de mon gym que j'aimais donc. Puis là, je suis en train de penser que peut-être Stéphane pourrait m'aider de dire pendant un an, on écrit ça. Tu sais, je sais pas, moi, on est en février. À la Saint-Valentin, on commence à écrire des affaires sur un mur, puis... Parce que c'est interdit. On n'a pas le droit d'écrire ses murs. Il hey, faut que ça soit beau, il faut que ça soit sharp, hein? Faut que ça soit beau. T'sais, nous autres, on a un mur de briques, là. Il faut que ça soit beau. On peut pas écrire des affaires dans notre maison. On peut l'écrire sur un carton, on se met un carton, mais finalement, on finit par l'oublier. Il faut changer de post-it, il faut changer de carton. Hey, ça me donne des idées. Ça me donne des idées. J'essaie de voir vos commentaires, les tuiles. Oups, là, ici. Ah, c'est dedans. Tu pourrais. Ah, j'aime pas avoir les doigts. Je trouve que c'est l'interdit aussi. L'interdit de se donner le droit d'écrire sur un mur. C'est comme tirer des assiettes. Prends des assiettes en salon, mais là, le fun. Ah oui, on tire des assiettes. On met des lunettes, là, pas se briser les yeux, puis on tire des assiettes contre le mur. Hein, d'un mur de briques, on casse des assiettes, on crie des affaires. Hein? Hey, ça a l'air le fun, comme on dirait, c'est interdit, c'est le fun, hein? On est tout oppositionnel, pas le droit de le faire, on le fait. Hey, wouhou! Fait, je vais penser à quelque chose. Stéphane, il m'écoute, là, Stéphane, pourrais-tu pas faire quelque chose, puis que j'écris de quoi, puis après ça, on peut le peinturer, puis ça s'efface complètement. On va réfléchir à ça, puis je pourrais vous montrer le mur. Mais chacune de vous autres, ça peut être, ceux qui sont pas dans ma vie physique, qui sont pas chez Énergétique, Énergie Fit, d'avoir un carton, écrire des mots qui nous motivent. T'sais, c'est un tableau à craie. Un tableau à craie, là, j'en ai un à Place Le Nid, où c'est mon spray tan. Ça fait du mess. Oh my God, ça fait du mess. La craie, tu sais, quand il y a beaucoup de monde, la craie partout à terre, c'est pas capable de décoller. Hein, c'est nous autres qui fait le ménage. Stéphane, non, j'aime pas beaucoup ça, là. Mais à la maison, chez vous, ça peut être un petit mur qu'on peinture, il y a de la belle peinture qu'on est capable de faire un carré, puis on écrit des mots. Ça, c'est bien correct. Mais pour moi, dans un espace public comme mon gym ou Place Le Nid, c'était quelque chose. Des post-it, ça peut être des post-it comme plein de choses, mais j'aime le fait de l'interdit. C'est de penser à ça. Mais de se choisir, de se passer en priorité, c'est pas facile. Souvent, on a besoin de l'aide. On peut aller chercher, tu sais, moi, c'est sûr, j'ai Chantal, là, on a Chantal dans notre vie. Pour moi, c'est la psychologue attitrée du gym, c'est elle que je réfère. Elle savait même fait une carte d'affaires à un moment donné que Energy Fit était dedans. Ah, c'était cher. Je sais pas ce qu'elle est rendue avec ça. Puis,
Fait que ce matin, c'était ma tranche de vie où je suis partie avec Energyfit. Puis il y a encore des projets qui s'en viennent, entre autres, avec le programme 30 jours. Puis j'osais avec Chantal avant qu'on monte en onde la semaine passée, jeudi passé, puis on s'est rencontrés la veille. C'est dans la veille qu'on a parlé, moi et Chantal. Puis là, on est des amis de longue date. Moi et Chantal, on se connaît depuis l'adolescence. On joue au softball ensemble, on a joué au ballon-ballet, on a fait plein de choses. On a vu nos vies parallèles, là, puis à un moment donné, on se rencontrait, puis là, on placote. Puis là, j'y racontais ça, tu sais, comme elle me parlait du programme, qu'est-ce que était ma vision pour les femmes, où est-ce que les femmes qui vont adhérer au programme, où je voulais qu'il y ait un peu, finalement, là, avec vous autres, je réalise ça, c'est dans la même optique que pourquoi que j'ai ouvert Energyfit. Pour moi, les gyms conventionnels, puis ce qui était dans ma région, me convenait pas dans mes... une valeur là, de ce que je voulais pour les femmes. Tu sais, moi, le no pain, no gain, là, ça colle pas à moi, ça. Là. Hein? Pas de douleur, no pain. Si t'as pas de douleur, t'auras pas de résultats. Ça colle pas du tout. C'est à très connotation négative. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de la douleur? Voyons donc. Pas de douleur. T'sais, on va avoir du plaisir. Fait que finalement, là, je réalise en vous jasant un matin que c'est la même... c'est ce que je veux. C'est ce que je voudrais pour les femmes qui s'inscrivent au programme. Je réalise ça là avec vous autres. Fait qu'en jasant avec Chantal, Energyfit, mais c'était pas Energyfit qu'on a mis l'emphase. Je voulais jaser du programme. Qu'est-ce que je voulais pour le programme 30 jours pour toutes les femmes qui se sont inscrites? C'est de la motivation, ça passe par là. Je veux qu'on réalise des choses. Je veux qu'on se fait du bien. Puis des petites tranches de choses, parce que quand c'est trop trop de blablabla, là, on comprend pas. On peut-tu parler en vrai langage, tu sais, quand je vous parle, quand on a parlé avec... tu sais, à un moment donné, je vous ai fait une chronique sur les fuites urinaires. Mais on parle de pipi, puis on parle de pâte, puis on parle des vraies affaires. Tu sais, les mots, c'est les mots, puis c'est le même qu'on parle dans la vraie vie, puis ça va être de même. Fait que finalement, en jasant avec Chantal, c'est ce qu'elle me disait, tiens. Elle me disait, ah, c'est ça que tu veux, où si tu veux aller avec ça. Puis c'est de la motivation, puis on parle des vrais mots, puis on parle des vraies affaires. Je dis, oui, c'est exactement ça. Puis Chantal, c'est ça qu'elle va apporter. Puis même en jasant avec elle, elle a complètement changé de track. Parce que c'est pas là qu'elle allait. Au niveau du programme, elle disait, hey, c'est pas là que je m'en allais, c'est pas là que je voulais parler. Mais finalement, là, je comprends parfaitement ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas apporter à ces femmes-là, puis ça lui parle à elle. Fait que Energyfit, c'était là, c'est parti pour les femmes, entraînées par des femmes, gérées par des femmes, mais finalement, les gars, ils ont adhéré à cette façon de faire-là, puis ça a beaucoup changé leur vie. Puis là, le programme 30 jours, bien, ça va être pareil, c'est dans la même optique qu'on s'apporte du bien, qu'on se fait du bien, qu'on se motive, puis qu'on se choisit. On se choisit. Hein? C'est pas facile, mais de se choisir à tous les jours, c'est ce qui va... ben, pour moi, que je vois que les changements, puis c'est ce que je veux vous apporter. Bon, ben, hey, je demande... Ah, ce serait le fun que vous seriez prêtes toutes chez nous, hein, Rachel. Hein, Rachel, je pense que c'était original, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de la région de Restigouche, hein, Campbellton, je pense. Hein? J'espère passer un sujet. Ah, ben, tu sais, il y a plein de beaux projets. Puis là, c'est ça, je l'ai dit. Ah, c'est ça, je déborde. Je pense que je n'ai pas pris de notes à matin. Le programme demande du temps. Puis là, c'est ça qui arrive, parce que c'est un nouveau projet. Fait que, tout de suite, en parlant avec Chantal, c'est ça, je voulais vous dire, elle me dit... Hey, tout nouveau projet d'année, ça prend plus de temps. Hey, j'ai fait, c'est vrai, hey, t'as raison, Chantal. Merci beaucoup de me dire ça. Ben, je vais vous montrer. Ah, oh, ben là, ça ne reflète pas. Montrez ça la semaine prochaine. Moi, Stéphane, on a un bureau là, dans la maison. C'est là qu'on travaille. Je vais montrer ça cette semaine. Fait que ça demande du temps. Nouvel apprentissage, plein de nouvelles choses j'apprends. Mais finalement,
Vous me demandez plein de choses. Sûrement qu'il va y avoir un nouveau, un deuxième projet, mais je veux vivre le premier. Je veux vivre le premier 30 jours, puis de voir comment ça va aller. J'ai des choses à apprendre aussi. J'ai jamais fait ça, mais je suis guidée, là. Je suis guidée, je peux même pas vous dire. Pour moi, j'ai les meilleurs. J'ai les meilleurs, les meilleurs spécialistes de ma région. Il y a plein d'autres spécialistes que déjà, ils m'ont dit, m'ont envoyé des messages d'un peu partout, du Québec, du Nouveau-Brunswick. J'ai eu des gens de l'Ontario qui me disent, « Hey, Dani, j'aimerais vraiment participer à ton programme. » Je dis, « Wow! » Je suis comme, « Wow! » Là, je leur ai dit, « Hey, merci beaucoup. Je garde ton nom en note. Puis, le prochain programme, on pourra faire autre chose. Puis, vous me demandez des programmes d'entraînement. Vous voulez vous entraîner avec moi puis avec ma gang. On réfléchit à ça. Je réfléchis le comment on peut faire ça. Puis, tu sais, je me prends des notes du prochain. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va vivre le premier. On va vivre le premier. Le 20 février, ça décolle. Ah, moi, je suis une fille de tableau. Ah, je vais vous montrer ça. Mais je vais vous montrer ça. Je vais aller chercher ça. Là. Ouais, j'ai une fille de papier, puis de post-it, puis de mur qu'on écrit à des markers. Fait que là, ça, c'est le 30 jours. Tout est là-dessus, confirmé. Je suis en ordre de couleur. C'est le lundi, le 20 février, ça part là. Tout est là. Les spécialistes sont engagés. J'appelle les spécialistes. On se décrit de ce qu'ils veulent se parler. Après ça, moi, quand je vais vous voir à tous les jours, deux fois par jour, de qu'est-ce que je vais vous parler, vous motiver, qu'est-ce que j'ai le goût qu'on fait ensemble. Comme quand Energy Fit est parti, mais ce ne sera pas sur 8 ans. ça c'est un 30 jours. Puis, c'est ce que je vais essayer de vous apporter, là. Puis, ensemble, si vous regardez, après ces 30 jours-là, moi, je dis tout le temps, si vous gardez une affaire, deux choses, mais pour le restant de votre vie, mais la mission sera accomplie. Avez-vous des questions? Hey, je parle là. Merci beaucoup tout le monde. Temporaire, la feuille de sheetrock sur le mur. Ah, c'est vrai, Diane, une feuille de sheetrock temporaire qu'on dévisserait. Hey, ça, c'est sharp, ça, j'aime ça. Je ne sais pas que Stéphane en pense, mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. Hey, ça, c'est une bonne idée. Je vais tout vous lire après, là. Vos idées vont être là. Si vous avez des idées, envoyez-les. Puis pour mon gym, même si vous n'êtes pas là, j'aime beaucoup ça. Moi, peu de cheap rock, on vise pour des vies. On va voir ce que Stéphane va dire. Bon, ben là-dessus, on partage, on aime et on commente. Ah, petit rappel, ça va être sur mon site Internet à partir de cet après-midi. Puis, ceux qui sont dans ma vie, Energy Fit, vous pourrez vous en commander. Je vais mettre une feuille sur le board. J'ai plein de questions. Un dernier commentaire. Souvent, presque à tous les jours, Stéphane ou moi, on reçoit des messages. « Hey, on trouve pas telle vidéo. » Abonnez-vous à ma page YouTube. C'est la meilleure place de pas tout perdre. C'est la meilleure place. Vous allez là. La petite cloche est importante. Aidez-moi. Hey, on est parti au début de tout ça, je pense. Un abonné, deux abonnés, tranquillement. Sur YouTube, c'est plus difficile, on dirait. Là, on est à 345. Hey, ouf, 345 abonnés. Non, mais le fun. Là, l'objectif, c'est 500. Mais vraiment, l'objectif ultime avec YouTube, c'est 1000 pour essayer de rejoindre le plus de femmes possible. Fait qu'allez vous abonner. Puis, chez Energy Fit, avec Dani, qui est en haut de la vidéo, c'est marqué « Suivre ». Il faut suivre. Je réalise, j'apprends plein de choses avec David. Je réalise qu'on est sur 100% des gens qui sont là à tous les jours, que vous écoutez les capsules, que vous êtes actifs avec Energy Fit. Il y a seulement un quart des gens qui sont abonnés à Energy Fit. Ça, c'est une autre façon de ne pas manquer les lives, de ne pas manquer les vidéos. Ça ne va pas être tannant. Vous allez juste avoir dans votre notification, dans votre petite cloche. Tu sais, vous avez une petite cloche dans votre Facebook personnel. Là, il y a un petit rond rouge qui apparaît avec un numéro, hein, 1, 2, 3, 4. Comme une notification, vous savez. Vous allez cliquer là. Ah, Dani a mis ça. Ah, Dani a mis ça. Vous allez voir, pas voir. Puis vous ne manquerez pas rien. Puis ça va être plus facile de suivre. Fait que, allez vous abonner sur Energy Fit. Puis abonnez-vous à YouTube. Faites ça à matin. On s'envoie plein de cœur. Allez vous faire un petit café. Puis 3 heures, hein, la collation. Je vous ai parlé de collation cette semaine. Ici, il est 10 heures au Québec, 9 heures, l'Ontario. Allez vous chercher une collation. C'est important.
Fait que là-dessus, je vous embrasse, puis on se fait un gros câlin avant de se laisser. On s'envoie des cœurs. Moi, je peux-tu vous envoyer des cœurs? Ça, je sais pas. Ça n'a pas de l'âge, je sais pas, mais je vous envoie des cœurs. On se fait un gros câlin. Tout le monde, êtes-vous prêts? On y va. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Oh, hey, je pense que je vous entends pas. On recommence, puis on le dit plus fort, OK? On y va. On se fait un câlin. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Pour les messieurs, je suis bon, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Bravo tout le monde, je vous embrasse, puis on se parle demain. On partage, on aime et on commande. Bye-bye!